Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la suite de la séquence numéro 7, sixième. Il s'agit donc des pages 3 et 4, longueur, périmètre, R. Et on commence tout de suite donc avec la leçon. Donc après avoir parlé de périmètre de figure géométrique, un polygone quelconque, le périmètre, c'est la longueur du bord, donc on ajoute les côtés. On va s'intéresser à la longueur du cercle, on dit aussi circonférence, c'est-à-dire le périmètre, hein, c'est la longueur du tour du cercle. N'importe quel objet circulaire aurait pu servir pour faire une expérience. On choisit un objet qu'on a souvent pas très loin de soi, en classe, de temps en temps. Un rouleau de scotch, alors attention, il faut que le rouleau soit évidemment de forme circulaire. Si vous avez aplati votre rouleau de scotch, il faudra en choisir un autre. J'ai dit qu'on pouvait faire cette expérience avec n'importe quoi d'autre. En classe, en général, je prends la pendule, je prends une ficelle que je mets autour de cette pendule et je mesure la ficelle dépliée en ayant soin de marquer le début et la fin pour bien voir la longueur. Alors là, je prends un rouleau de scotch un peu assez grand, puisque je choisis de prendre un rouleau de scotch papier qui sert pour faire de la peinture. Et vous voyez que la description se fait, hein, prendre un rouleau de ruban adhésif et mesurer son diamètre D. Alors, le rouleau de scotch que j'ai choisi est assez grand. Et la mesure du diamètre me donne pour moi, alors moi je vais mettre les valeurs que j'ai trouvées hein, ici. Donc pour moi je trouve le diamètre 10,8 cm. Donc c'est assez grand. Le rouleau de scotch que j'ai choisi de prendre est assez grand. Je vous demande de faire cette expérience en même temps. Donc vous voyez que dans l'image numéro 2, on fait une marque au niveau de l'extrémité du ruban. Et ensuite on déroule le ruban jusqu'à la marque pour avoir en fait la longueur exacte. Hein, vous coupez à l'endroit où vous avez trouvé la marque. Entre le début et la marque, vous coupez ici et vous pouvez coller votre morceau de scotch sur cette partie de leçon. Moi, je vais vous donner la mesure que j'ai trouvée. J'ai trouvé 33,9 cm. Alors, si vous n'avez pas de rouleau de scotch ou si vraiment vous êtes perdu, vous pouvez aussi recopier les valeurs que j'ai données. Mais ça serait mieux de faire votre propre expérience. Et ensuite, et vous pouvez quand même le faire, votre propre expérience, et l'écrire au fond de papier. Ensuite, on va diviser donc la longueur qu'on a trouvée, c'est-à-dire la circonférence, 33,9. On va le diviser par, ici, moi, mon diamètre, c'est-à-dire 10,8. Alors, vous avez vu ce petit symbole de calculatrice. Hein, vous pouvez taper ce calcul-là à la calculatrice. On va trouver 3,1388888, etc. Je l'écris entre parenthèses ici. Je vais pas écrire tous les chiffres. J'ai 1,3,8888, etc. Je vais donner une valeur approchée. Et la valeur approchée, ben, je vais mettre deux chiffres après la virgule. On aurait pu, en classe, j'aurais pris un seul chiffre hein, parce qu'on a des précisions moins précises, moins fines, si on a un rouleau de scotch plus petit. Donc moi, regardez, ça donne environ 3,14. Dans la leçon, on vous dit recommencer plusieurs fois l'expérience avec des rouleaux du diamètre différent. Le rapport L sur D semble être égal, quel que soit le diamètre. Et vous pouvez faire l'expérience avec une ficelle autour d'un objet circulaire et faire la même expérience, mesurer son diamètre et diviser la longueur de la ficelle par le diamètre que vous avez trouvé. Et vous allez trouver quelque chose qui se tourne autour de 3. Hein, et plus précisément, vous avez les premières décimales. Hein, ce nombre, on choisit de l'appeler pi. Et la notation de pi, attention, regardez bien là sur la leçon, c'est pas la peine d'entourer, hein, c'est pas la peine de le refaire en plus grand. C'est un espèce de pont comme ça qu'on fait. Je le fais en un peu plus grand sur la droite. Et je vais l'effacer juste après. C'est une lettre grecque qu'on utilise souvent en mathématiques.
Donc vous voyez que les premières décimales de pi, ce n'est pas seulement 3,14, hein, c'est 3,14159265358, je ne vais pas les lire toutes, et vous voyez qu'à la fin, il y a point de suspension. Si vous avez la chance d'aller à Paris, à la Cité des Sciences, hein, vous verrez qu'il y a une salle réservée au nombre pi, et il y a beaucoup plus de décimales encore écrites sur les murs de cette salle, qui est d'ailleurs circulaire. Alors dans l'exemple qui suit, il y a une petite coquille, mais que vous allez rectifier en même temps que moi. On vous dit calculer la longueur d'un cercle de diamètre 5 cm. Le rapport L sur D est égal au nombre. Alors la police de caractère que j'ai n'a pas suivi, c'est le nombre pi. Ça vous fera l'occasion de vous entraîner à l'écrire correctement. Donc on fait un petit trait en haut et puis deux espèces de petites pattes. D'après la définition du quotient, ben si on remultiplie ce quotient L sur D par le diamètre, eh ben on va retrouver la longueur du cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ben, puisque ça, c'est la même chose que le nombre pi, quand vous allez faire le nombre pi multiplié par le diamètre, vous allez trouver la longueur. C'est-à-dire que la longueur du cercle est égale au produit de pi par le diamètre. Et vous savez les deux formules à connaître par cœur. Circonférence égale pi fois diamètre. Donc pi est environ égal à 3,14. Donc en pratique, on vous donnera le diamètre d'un cercle. Le diamètre, c'est la longueur qui va de bord à bord en passant par le centre, hein, vous rappelez. Et bah, il faudra le multiplier par 3,14 pour avoir environ la longueur, je vous rappelle, de ce que ça représente. Enfin, ça représente la longueur de cette circonférence, c'est-à-dire, hein, c'est comme si on dépliait une ficelle autour du cercle. J'insiste là-dessus parce qu'il faut vraiment bien comprendre ce truc-là. Si vous dépliez la ficelle, ben vous aurez voilà, une ficelle que vous pouvez mesurer après et qui fera environ 3,14 fois le diamètre. Essayez de bien avoir cette image mentale en tête quand vous parlez de la circonférence d'un cercle. Je gomme mes gribouillages, mais il faut bien comprendre. Alors, parfois dans les exercices, on n'aura pas le diamètre, mais le rayon. Ben, deux fois le rayon, c'est le diamètre, hein. Donc, vous voyez que si vous remplacez dans la formule ici diamètre par deux fois rayon, vous obtenez comme formule que la circonférence, c'est pi multiplié par 2 multiplié par le rayon. Donc, en général, on remet les choses dans l'ordre et vous avez la deuxième propriété, la circonférence, c'est-à-dire le périmètre, est égal à 2 fois pi fois rayon. Vous pouvez retenir cette formule aussi. On appelle P le périmètre du cercle et regardez, ça s'écrit 2πr. Hein, 2πr, c'est facile à retenir. Voilà pour la première page, circonférence d'un cercle. Vous voyez après, calculer la longueur d'un cercle. Alors si vous suivez le raccourci, vous verrez une vidéo qui vous explique tout ça, mais on va le faire là. Calculer la circonférence d'un cercle de rayon 3 cm, bah, si je connais le rayon, on va utiliser la deuxième propriété. La deuxième propriété nous dit que la circonférence d'un cercle de rayon 3 cm, ou le périmètre, c'est 2 fois pi fois rayon. Donc j'écris que c'est 2 fois pi fois le rayon vaut 3 cm, donc fois 3. Ce qui nous fait, si je commence par 2 fois 3 fois pi, puisque c'est la même chose, 6 fois le nombre pi, ça c'est la valeur exacte. Une valeur approchée, c'est de remplacer pi par 3,14. Je vais réécrire dans le même ordre que c'est écrit, 6 fois 3,14. Je peux effectuer ce calcul en ligne. 6 fois 4, 24. 4 et je retiens 2. 6 fois 1, 6 et 2, 8. 6 fois 3, 18. 18,84 cm, c'est le périmètre approché. Ou 18,8, on mettra plutôt 18,8 cm. Ça, c'est la réponse pour le premièrement. Deuxièmement, regardez, on vous demande la longueur d'un demi-cercle de diamètre 4 cm. Alors attention, il y a deux mots auxquels il faut faire attention, c'est demi-cercle et c'est diamètre. Si je voulais la longueur entière du cercle, demi-cercle, ça sera la moitié. Donc la moitié de quoi?
à la moitié du périmètre ou de la circonférence du cercle de diamètre 4 cm. Et quand je connais cette fois le diamètre, c'est la première formule, c'est pi fois le diamètre. Donc je vais prendre demi-périmètre, puisque c'est ça qu'on me demande de calculer, c'est la moitié, donc 1 demi, multiplié par quoi? Le périmètre du cercle, pi fois diamètre, pi fois le diamètre qui vaut 4. Tout ça en centimètres. Vous voyez qu'on peut refaire les calculs dans la multiplication en mettant les nombres dans l'ordre. On peut commencer par faire 4, ensuite diviser par 2, et ensuite multiplier par pi. Je remets dans cet ordre ces calculs, ça revient au même, hein. Pourvu qu'il y ait le 1 demi, c'est une division par 2. Donc finalement, la valeur exacte, ce sera 2 fois le nombre pi. Et la valeur approchée, ce sera 2 fois 3,14. Alors là, bon, ça fait 6,28, hein. Donc une valeur approchée de la moitié du périmètre d'un demi-cercle, enfin de la moitié du périmètre du cercle de diamètre 4 cm, c'est-à-dire la longueur du demi-cercle, c'est 6,28 cm. Alors attention, là on passe à la deuxième partie importante de la leçon, c'est-à-dire les unités d'air. Donc dans un premier temps, on va se contenter de bien faire attention au fait que les unités d'air, c'est en quelque sorte le nombre de carreaux d'une figure. Alors faites bien attention parce que quand vous convertissez par exemple des centimètres en millimètres, hein, il faudra bien faire attention. Je vais peut-être en reparler quand on fera les tableaux de conversion de ce truc-là. Hein, mais il faudra se rappeler qu'il faudra deux chiffres par colonne dans les tableaux de conversion. Ça va changer des choses et ça provient du fait que simplement, bah, dans un centimètre, vous le coupez en 10, on parle d'une longueur. Il y a 10 mm. Par contre, dans 1 cm carré, si vous le coupez en 10 en longueur et en largeur, ben vous obtiendrez 100 petits carreaux de 1 mm. On en reparle dans la suite de la leçon la semaine prochaine. Pour le moment, ce que vous avez à savoir, c'est que la surface d'une figure, eh bien, c'est naturellement la partie qui se trouve à l'intérieur de cette figure. L'air est la mesure de la surface. On ne s'intéresse pas là cette fois au périmètre, à la longueur du bord, mais au nombre de carreaux à l'intérieur, si vous voulez, si on choisit un carreau. Là, ici, en nombre de centimètres carrés, cette représentation ici de un carré de 1 centimètre sur 1 centimètre, eh ben c'est ça qu'on va appeler, vous allez le voir dans la phrase en dessous. La surface du carré peut être représentée par un nombre. Ben, ce nombre s'appelle l'aire du carré. L'aire du carré, ci-dessus, de longueur de côté 1 cm, est égal justement à 1. Alors, CM avec un petit 2, faites bien attention. Hein, on ne parle plus d'une longueur là. CM avec un petit 2 se lit centimètre carré. Centimètre carré. Hein, vous avez en fait ici au-dessus 1 cm carré. L'air, là, j'ai pas besoin de savoir la quantité de grillage que je dois mettre autour, hein, sinon je parlerai du périmètre. J'ai besoin, si vous voulez, de la quantité de peinture que je mets à l'intérieur. Et à ce moment-là, ça se mesure en, par exemple, ici, centimètres carrés. Donc regardez l'exemple en dessous, ben, on compte ici. J'ai une aire de 2 centimètres carrés. Ici, attention, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, et puis ici, c'est la moitié d'un. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire 5,5. Parce que 0,5, c'est la moitié d'un. Et pour terminer cette page 4, ici, on demande de calculer l'aire d'une figure à l'aide d'un quadrillage.
Donc faites bien attention parce que tout dépend de l'unité. Regardez le premièrement, l'unité, c'est ici le carreau. Donc si vous comptez les carreaux de chaque figure, bah, de temps en temps, par exemple pour le triangle, ce qu'on peut faire, c'est se dire, regardez, je vais faire une figure qui va être deux fois plus grande. Pardon, j'ai un peu de... Voilà, mais vous voyez le principe. J'entoure en bleu une figure qui a une surface de double et qui est un rectangle. Pourquoi? Bah, parce que les rectangles, c'est plus facile à calculer l'aire. Je calcule l'aire de tout le rectangle. 1, 2, 3. Donc 3 en largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en longueur. 6 fois 3, ça fait 18. Vous pouvez aussi les compter un par un. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et vous divisez par 2. Donc la figure 1, l'aire de la figure 1, c'est 18 divisé par 2, 9 unités d'air. La figure 2, ben, c'est deux moitiés de carreaux. Regardez, ça c'est la moitié d'une unité d'air et ça c'est l'autre moitié. 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Donc l'aire de la figure 2, c'est une unité d'air. Et enfin la figure 3, ben, je peux compter le nombre de carreaux, d'unités en entier, il y en a 4. Ensuite, il y a deux moitiés, c'est-à-dire ça fait un cinquième. Deux moitiés, ça fait un sixième. L'aire de la figure 3 est donc égale à 6 unités d'air. Et vous voyez que dans le dernier exemple, ici, de la page 4, bah, cette fois, les unités, c'est des petits triangles. Donc, il faudra donner l'aire en petits triangles. Donc vous comptez les petits triangles. Et à chaque fois qu'il y a un carreau, il y en a deux. Et après, je compte les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc l'aire de la figure 4. Attention, hein, ce n'est pas les mêmes unités d'air. J'ai dit, c'est 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9. Je vais écrire unité d'air UA. L'aire de la figure 5. Vous voyez que si je comptais en carreaux, je compterais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais comme c'est des unités qui sont deux fois plus petites, c'est 12 unités d'air. Et je fais la même chose pour la figure 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 9, 18. Et voilà ce qui termine la deuxième partie de la leçon sur longueur R. Longueur périmètre R. On verra les aires des figures géométriques dans la dernière partie. Merci pour votre attention.